La Chine et l'Indonésie ont déclaré qu'elles s'étaient engagées à renforcer leurs rapports commerciaux. Les deux pays ont ouvert un dialogue sur l'économie ce mardi à Pékin, lors duquel ils ont indiqué que l'initiative Ceinture et Route était essentielle pour les deux pays. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a affirmé que la Chine voyait de nouvelles opportunités dans les secteurs de l'infrastructure et de l'agriculture, de la finance et de l'énergie en Indonésie. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que le e-commerce et les autres entreprises jouent un rôle plus important. Le ministre indonésien de l'économie, Darmin Nasution, s'est attendu à ce que la coopération commerciale avec la Chine avance à un niveau supérieur. Yang et Nasution ont également assisté à la signature d'un mémorandum de financement de l'infrastructure entre les deux pays.